Bonsoir, salut. Bonsoir, prof. Salut. Bonsoir, salut tout le monde, bienvenue. Et voilà. Bonsoir, prof. Merci beaucoup, bienvenue. Bien, aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau sujet, un sujet différent par rapport aux autres sujets que nous venons de travailler. Nous allons découvrir des articles de presse. Et on va essayer de traiter un peu la partie de la nominalisation. Et généralement, la nominalisation, ce sont la manière comment on forme les articles de presse. Voilà les documents que je vous montre. Bien, c'est le premier document que nous allons travailler. Donc, à la une, comprendre de titre de presse. Qu'est-ce que c'est la presse? C'est quoi la presse? El periódico, la prensa. Très bien, elle c'est là. Regardez l'image. Dans l'image que nous regardons ici, il y a deux articles, deux articles ou deux journaux. Bien, ça c'est le journal numéro un. Le journal numéro 1 et ça c'est le journal numéro 2. Ça c'est les deux. Comment s'appelle le journal numéro 1? Aujourd'hui.fr. Ok, très bien. Mais ce n'est pas exactement le nom du journal. Lemonde.fr. Bien, écoutez, le premier journal s'appelle Le Parisien. Le Parisien. Le deuxième journal s'appelle Le Monde. Bon, .fr, c'est le site internet. Le Parisien.fr, Le Monde.fr. OK. Ce sont des journaux célèbres en France. Le Parisien, Le Monde. Bien. On va analyser la manière comment ils sont présentés. N'oubliez pas que les journaux ici sont présentés sur un site internet. Bien, ce que vous regardez là s'appelle rubrique. Regardez, cette partie qui est là s'appelle rubrique. Quelle est la signification du mot rubrique? La rubrique. À votre avis, qu'est-ce que c'est la rubrique? Rúbricas. Bon, ça veut dire quoi en español? ¿Qué es sa significación? Donne-moi un exemple. Como los temas, prof, Par exemple. los apartados, le editorial, le columna de opinión. Las secciones. Oui, par exemple, donnez-moi des exemples. Politique, société, économie, OK, voilà. Ça, international. c'est la rubrique. Exactement, très bien. Ça, c'est rubrique. Il y a la rubrique sport, la rubrique société, économie, faits divers. Il y a des différentes rubriques que nous pouvons trouver dans un journal. Bien. Ça, c'est le numéro 2. Il y a des différentes rubriques. Et le numéro 1, ce sont les rubriques. Pardon, je les fasse. Le analysons les rubriques du journal numéro 1. Et voilà, ça, c'est la rubrique. Bien. Le premier journal s'appelle Le Parisien, le deuxième, Le Monde. Analysons le numéro 1. L'exercice numéro 1. Vous souhaitez vous informer sur Internet. On cherche les journaux pour s'informer parce que là, on trouve des différentes informations. Observez les sommaires de deux quotidiens français en ligne et échangez. Ce sont du quotidien. Pourquoi sont des quotidiens? Parce que tous les jours, il y a des nouvelles informations. Qu'est-ce que c'est les sommaires? Les sommaires.
Resúmenes. Resumen, très bien. Le sommaire. Ok, très bien. La cuestión número uno. Dit quel site vous allez consulter en priorité? Aujourd'hui en France.fr ou lemonde.fr? Expliquez pourquoi. Alors, regardez les deux journaux. Lequel est-ce que vous préférez pour consulter? La deuxième question, c'est, dites sur quelle rubrique vous allez cliquer en première et pourquoi. Commençons par le numéro 2. Vous allez me dire quelle rubrique vous allez choisir en première, c'est-à-dire la première rubrique que vous allez lire, la première rubrique que vous allez consulter et pour quelle raison. Analysons les différentes rubriques. Il y a la rubrique actualité. On commence par le aujourd'hui.fr. Actualité, sport, votre ville, culture et loisirs, vidéo, photo, participer, le Parisien, pardon, la Parisienne, étudiant, pratique. Il y a des sous-rubriques à la une, société, faits divers, politique, économie, auto, international, médias et people, environnement, high-tech, blog. Voilà, dans le monde, il y a les rubriques actualité, économie, sport, culture, idées, éducation, et magazine, pratique, journal, édition, abonné. Dans l'actualité, nous pouvons trouver international, planète, politique, société, technologie, médias. OK, quelle rubrique vous allez cliquer? Analysez les rubriques. Laquelle vous allez choisir. Par exemple, Maria Ruiz, quelle rubrique tu vas commencer à lire et pourquoi? Bonsoir, la rubrique je leeré. ¿Cómo se dice leeré? Lire. ¿Lire? Oui, lire. Le Parisien. Parce que parce que c'est la première. Ok, sean Sí. premier, le numéro un. Tu vas choisir le premier. Bien, est-ce que vous avez déjà écouté sur ces journaux, aujourd'hui.fr, Le Monde? Est-ce que vous les connaissez? No, no lo Non, sé. ok, c'est la primera fois que vous les consultez. Bien. Oui. Gregorio, quelle rubrique tu vas choisir? Voilà. J'ai cherché à ver première rubrique étudiant parce que je suis intéressé Par en intéressé par intéressé par études supérieures. oui, ok, Différentes études supérieures. oui, très bien. Ok, avec le verbe intéressé, on utilise par intéressé par ou intéressé à. Dans ce cas, intéressé par. Très bien. Juan Carlos, quelle rubrique tu vas lire en première? Je préfère le monde OK. parce que c'est plus important journal en France. OK, très bien. Cristian Alegría, ¿qué rubrique tu préfères? Oui, prof. Et je préfère les rubriques des politiques parce que je pense que c'est très important, les situations actuelles des pays. Actuelle, situación actual du pays. Actuel. Oui, Oui, très prof. bien. Nicolas, quelle rubrique tu préfères? Et je vais choisir auto par
C'est un sujet que j'aime. Ok, très bien. Oscar Parra, quelle rubrique tu préfères? Oh, je suis en train d'arriver. Ah, ok, d'accord. Bien, Carlos Rodríguez, ¿qué es tu rubrique preferida? ¿O la que tú choisis? Juana. Cristian Ospina. Oui, profe, je lis du sport. Pour quoi sport? Oui, je suis fanatique de Real Madrid, de l'équipe européenne, Paris Saint-Germain. Ok, très bien. L'actualidad sport. Ok, le PSG, Paris Saint-Germain, PSG, très bien. Ok. Le Real, tu es fan des équipes de foot d'Europe. Bien. María Bernarda, continúe. Ok, bien. Bien, atención. La Ilíada de rubrique. Úsale medir. ¿Es que hay en otra rubrique que no es para la? Peut-être il existe d'autres rubriques qui sont importantes, qui sont pas mises là dans les journaux. Alors, quelle rubrique vous pensez que c'est doit être ici dans les journaux? Ou sont complets? Est-ce que sont complets? Oui, prof, je pense qu'ils sont complets parce que les périodiques, Le les journal. parisiens, c'est un. C'est Oui. un diario très variable. Oui, varié, varié, journal, periódico, journal, c'est un journal. Oui. Bon, c'est vrai, peut-être ça est complet, mais peut-être nous pouvons ajouter, par exemple, la rubrique météo. La météo. Il y a des personnes qui cherchent des informations par rapport à la météo. Pourquoi? Peut-être en Colombie, ce n'est pas important, mais en Europe et aux États-Unis, il faut connaître la météo. Alors, qu'est-ce que nous allons trouver dans la rubrique faits divers? Faits divers. Qu'est-ce que vous allez trouver là? Temas diversos. Par exemple, La farándula. no. Fait divers. Qu'est-ce que nous trouvons en fait divers? Regardez. Rubrique fait divers. Voyons qu'est-ce que nous trouvons dans fait divers. Suivez l'actualité des faits divers de la région Normandie. Transformez de vêtements si vous êtes près chez vous. Alors, faits divers, regardez. Événements sans portée générale qui appartiennent à la vie quotidienne. Difficulté autorale de faits divers ou faits divers avec sans production. Bon, là, ne nous informe pas très bien, mais en faits divers, nous trouvons des vols. Des vols. Qu'est-ce que c'est vol? Qu'est-ce que c'est vol? Vuelos, Le verbe voler. los vuelos. Oui. Le verbe voler. Quelle est la signification du verbe voler? Volar Volar. o Bien. robar. Exactement. Dans ce contexte, on ne parle pas de l'avion qui a décollé,
Cuando el avión despega, se dice décolle. El avión a décolle. Cuando aterriza, se dice aterricé. Cuando el carro arranca, se dice démarré. Démarré. Entonces, un fait divers, un truf, de vol, asesinatos, robos, hurtos, masacre. Eso es lo que se encuentra en fait divers. ¿Ok? Bien. C'est la même chose que nous trouvons dans des journaux ici en Colombie. Fait divers. OK. Bien, continuons. regardons ici, point culture. Juan Carlos, tu peux lire l'information sur point culture. Point culture, les Français et l'information. Lisez ces résultats d'enquête, puis répondez à la question posée. Pour vous informer, quel type de médias préférez-vous consulter? La télévision, 65 personnes, Internet, 52. La presse écrite, 38. La radio 27. Ok, pourcent, Pour cent. pourcent, pourcent. Ok, regardez quel type de médias préféraient les Français consulter des informations. La télévision est le numéro 1, 65%. Internet, numéro 2, 52%. La presse écrite, ça veut dire les journaux, 38%. La radio, 27%. Bien, cette information est du 2012. Alors, d'après vous, quel média préférez-vous? Quel est votre média préféré pour consulter des informations? Alors, Christian Alegría, qu'est-ce que tu préfères? Prof, je préfère la internet. OK, Internet. Voilà. Christian Ospina, qu'est-ce que tu préfères? Je préfère la télévision. Ok. Gregorio, ¿tú prefieres cuál? Je préfère la internet aussi. Ok. Juan Carlos. Je préfère la télévision. Ok. Nicolas. Je préfère l'internet. Ok. Juana. María Bernarda. Sí, profe, yo prefiero la televisión. Ok. Carlos Rodríguez. María Ruiz. Je Luis préfère Carlos. l'internet. Je Alter. préfère l'internet. Ok, très bien. L'internet. María Moi Ruiz. aussi, l'Internet. Ok. Et finalement, Oscar Párraga. Je préfère l'Internet aussi. Ok, très bien. Regardez. Cette information que nous venons de consulter ici, c'est une information du 2012. Peut-être dans cette époque-là, C'est en quoi, prof? aquella época. Peut-être dans cette époque-là, l'Internet n'était pas assez utilisé comme on l'utilise aujourd'hui, à présent. Parce qu'avec les téléphones, ce sont des téléphones intelligents. Vous pouvez consulter rapidement des informations n'importe où. Si vous êtes dans la rue, dans un centre commercial, si vous êtes dans un parc, si vous êtes à l'université, au travail, même au travail, vous pouvez consulter des informations. Pourquoi ou pour quelle raison vous pensez que les personnes actuellement ne préfèrent pas la télévision? Les personnes, la majorité, parce que 2, 4, 6 personnes ont choisi Internet. 3 personnes ont choisi la télévision. La majorité préfère l'Internet. Pourquoi est-ce que vous pensez que la majorité
préfère l'Internet au lieu de la télévision. Alors, bien, Nicolas. Je pense que c'est parce ce sont des médias manipulés. Ok, voilà. C'est-à-dire que l'information n'est pas une information sûre, une information fidèle dans laquelle on peut se fier. Fidèle, une information fidèle. Bien, Oscar. Et je crois que c'est plus facile avoir l'information et par l'Internet que la télévision. Ok, d'accord, très bien. Une autre opinion? Quelqu'un veut apporter quelque chose? Alors, imaginez-vous votre vie quotidienne. Tout le monde, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je sais simplement que vous voulez apprendre le français et que vous assistez au cours de français du lundi au vendredi entre 8h30 et 8h et 9h30. C'est la seule information que je connais sur vous. Alors, la majorité du temps, vous êtes au travail, vous êtes dehors de chez vous ou vous êtes à la maison. Parce que si on veut s'informer à la télévision, nous devons être à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, il y a la télé. Même s'il y a des télévisions que vous pouvez regarder sur Internet, vous n'allez pas regarder la télévision. Je pense que ça, c'est une raison pour laquelle on préfère l'Internet, parce qu'on n'est pas tout le temps à la maison. On est à l'extérieur. On travaille. Et si vous pensez que vous allez simplement vous informer une fois que vous rentrez chez vous, c'est simplement le soir que vous allez regarder la télévision. Parce que d'autres temps, vous n'êtes pas à la maison. Vous êtes au travail, vous êtes dehors. OK? Bien. Très bien. Et il y a la radio. La radio, je pense que la radio actuellement n'est pas très écoutée. Peut-être si vous avez une voiture. Quand vous conduisez la voiture, dans la voiture, vous écoutez la radio. Bien. Oscar, tu vas dire quelque chose? Alors, Non, prof, non, 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 non. est-ce qu'il y a des journaux gratuits ou tous les journaux sont payants en Il y a des Colombie? journaux gratuits. En Colombie, quel, ou à Barranquilla, quels journaux sont gratuits? El tiempo. ¿Qué es gratuito? ¿Cómo? El tiempo, yo pienso que se... ¿Cómo es que se dice? ¿Gratis? Gratuit. Gratuito. Gratuit. Ok, Christian. En Cali, c'est gratuit les diarios de Occidente. Ok, a Cali. Très bien. Ok. Ici Oui, a Cali. a Barranquilla, avant, il existe ADN. ADN, c'était gratuit. Actuellement, ça n'existe plus ou je ne les vois plus. Bien, analysons l'information là. 46% des Français de plus de 15 ans lisent chaque jour ou en quotidien. Les principaux quotidiens nationaux en France sont par ordre d'importance. Bien, le numéro un, c'est Le Figaro. Alors, vous connaissez maintenant Le Figaro. Bon, Le Figaro n'est pas là. Le numéro 2, Le Monde. Le Monde, il est là. Il est là. Ça, c'est Le Monde, le journal. Et le numéro 3, c'est L'Équipe. Ça s'appelle L'Équipe. 4, aujourd'hui en France, Le Parisien. Aujourd'hui en France, Le Parisien. Les Échos, le numéro 5, Libération. Libération. OK, voilà. Ça, c'est l'ordre dans cette époque, en 2011.
Je pense qu'actuellement, ça a changé. Bien, analysons. Passons à l'exercice 2. Comparez les deux sommaires et répondez. Quelle différence remarquez-vous? Retrouvez-vous les mêmes rubriques principales? OK. Rubrique, c'est féminin. Est-ce que ce sont les mêmes rubriques principales? Quelle différence remarquez-vous? Bien, regardez. Est-ce que dans les deux journaux, on utilise les mêmes rubriques? Oui ou non? Non. Non. OK. ¿Cómo profe? Est-ce que dans les deux journaux, on utilise les mêmes rubriques ou il y a de différentes rubriques? Différentes rubriques. Il y a de différentes rubriques. Voilà. L'autre question. Quelle différence remarquez-vous? Est-ce qu'il y a des différences entre un journal et un autre? L'équipe et du sport. Ok, le sport. Oui, l'équipe Le Parisien. Ok. Journal du sport. Ok, bien. Le numéro, continuons. Dans la rubrique Actualité, retrouvez-vous les mêmes sous-rubriques? Sous-rubrique. OK. Regardez, ça c'est actualité. Actualité ici, actualité là. Dans l'actualité, vous trouvez tous ces sous-rubriques qui sont là. Bien, dans les Parisiens, quelles sont les sous-rubriques? À la une, à la une, à la una información rápida. ¿Quel otro? Société, Société, ¿quel otro? espace, politique, No, pas sport. politique, fait Politique, divers, fait divers, politique, économique, auto, économie, auto, international, auto international, blogs, media et people, ok. environnement, high tech, High tech. Blog. Ok. Et dans l'autre, le monde, on trouve quoi? Actualité, Planète. économie, sport, International. Planète. éducation, Éducation. Ok, il y Politique. a Société. international, planète, politique, société, technologie, média. Voilà, Alors, quelle actualité vous donne envie de lire? D'après vous, quelle actualité pour vous c'est plus important? L'actualité du Parisien ou l'actualité du monde? Le Parisien. pour moi, Parmi les actualités, le monde. aussi, le monde. Pour moi, le Parisien. OK. Quelques-uns préfèrent le Parisien. Oscar parle, oh pardon, Christian, il continue avec le Parisien. Du début, il a dit le Parisien et il continue avec le Parisien. Ça, c'est bien. Bien, continuons ici avec d'autres informations. Regardez. Qu'est-ce que c'est ça que vous regardez là? Il y a numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4, 5, 6, 7, numéro 8. Titulaire. Titulaire de quoi? De politique, educación, economía, quelque chose. OK. Ce sont des titres de presse. Titres de presse. OK, oui. Les titres de presse. Ce que vous regardez là, ce sont des titres de presse. On va lire l'information qui est là. On va lire les titres et on va les analyser. Nicolas, tu peux lire le numéro 1. Arrivée de la présidente du Brésil en visite officielle en France. OK. Numéro 2, Grégorio. Numéro 2. Élection du président du Sénat demain matin. OK. María Ruiz, le numéro 3.
Sorti du nouveau film de Guillaume Canot. Ok. Oscar Parra, le numéro 4. Éducation et l'apprentissage de la musique renforcent à l'école primaire. Ok. L'apprentissage. L'apprentissage. Ah, l'apprentissage de la musique renforce, c'est Renforcé. renforcé Oui. à l'école primaire. Très bien. Christian Ospina, numéro 5. Oui, prof. Baisse du dollar, pessimisme sur les marchés Financier. 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 E, termina en E, financier. Financier. Oui. Ok. Juan Merci. Carlos, número 6. No alcanzo a verla, profe. ¿Y ahora? No, sale un pedazo cortado. ¿Y ahora? Ok. Victoire de l'équipe de France de handball. Très bien. María Bernarda, número 7. Argumentación du nom de Chomer. Augmentación, augmentación. Augmentación du nom de Chomer. Okay, augmentación, augmentación. Bien, augmentación du nombre de chômeur. Le numéro 8. Juana, on n'a pas écouté aujourd'hui. Carlos Rodríguez, 8. Cristian Alegría, le numéro 8. ¿No se escucha, Carlos? Oui, prof. France informe. Amfort. Changement France Amfort. dans la No, grille. changement. Changement dans la grille des programmes. Très bien. El numéro 9, Carlos Rodríguez, nos está escuchando. Gregorio, numéro 9. Manifestation pour la liberté de la presse, place de la République. Très bien. OK. Tu sais que vous regardez là, ce sont des différents types de presse, n'est-ce pas? Et voilà. Qu'est-ce que vous pouvez analyser ou qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces titres? La manière comme ils sont écrits, c'est pas la même manière comme on écrit généralement. On va découvrir quelle est la différence et de quelle manière les titres de presse sont présentés.